Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le voyage astral. Donc, c'est ma première vidéo sur le sujet. Donc, je suis dans une période où en fait, je suis en train de d'essayer d'en faire consciemment. Enfin, j'ai déjà essayé. Hein, ça fait depuis que j'ai 13 ans environ que j'essaye ça. Hein, donc, c'est pas nouveau. Mais je suis en train de réessayer parce que j'ai jamais réussi en fait à sortir consciemment de mon corps. Et donc j'avais envie de de parler un peu de mes expériences et de vous parler surtout de qu'est-ce que ça, enfin comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est dans l'astral en fait et pas seulement dans un monde éthérique. Donc ça après c'est des termes, moi personnellement je les emploie parce que ça me parle, mais je pense que la réalité est beaucoup plus compliquée que tout ce qu'on peut trouver comme terme en fait à ce sujet. En tout cas, moi j'ai remarqué que y a vraiment une différence entre la sensation qu'on a quand on est dans l'astral, entre guillemets, dans un monde astral, dans une réalité astrale qui est donc différente de la réalité du rêve, ou des rêves en tout cas qui sont ordinaires entre guillemets, donc c'est plutôt une réalité éthérique je dirais. Donc c'est-à-dire qu'il y a plutôt quelque chose qui va être lié à nos propres émotions intérieures et où ça va être plutôt une projection en fait, c'est une simple projection. Et l'autre, le monde astral, c'est vraiment des espaces qu'on visite en tant qu'esprit. Et donc j'ai toujours eu une activité onirique très très intense. Il y a des rêves dont je me souviens exactement, très précisément, je me souviens du tout le déroulement et ça avait paru me durer pendant des heures. Des rêves de quand j'étais enfant, très très jeune, je m'en souviens encore quoi, comme si c'était hier. Et en fait, depuis l'enfance, j'ai des rêves très vifs comme ça, très 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 vraiment intense quoi. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais dans ces moments-là, je pense que je voyageais dans d'autres mondes en fait, et c'était pas simplement des rêves. Et ça, j'ai réalisé que très récemment en écoutant beaucoup de vidéos à ce sujet et en me renseignant davantage. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus d'informations aujourd'hui qu'à l'époque où c'était plutôt les forums, mais ça restait assez. On ne pouvait pas bien se rendre compte, enfin c'était pas pareil quoi. Et là, là il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, enfin, encore plus qu'avant, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un ressenti très différent quand on est dans l'astral plutôt que dans un rêve. Moi, j'ai jamais, donc, comme je vous le dis, j'ai jamais fait de sortie consciente. Donc, ce que je vais vous parler, c'est plutôt des choses que avant, moi, je considérais comme des rêves, en fait. Mais des rêves très, très, très intenses, très... Qui me laissait perplexe tellement c'était fort. Et c'est pas tant fort à cause du côté cauchemardesque où là des fois je fais des cauchemars où c'est très intense, mais là je pense c'est plutôt que je me connecte peut-être à des choses mondiales peut-être, comme j'ai fait des rêves de choses, d'attentats et tout ça en fait. Encore récemment ça m'est arrivé que j'ai rêvé des attentats là, attentat horrible à Nice, dans l'église là. Et en général quand ça concerne des églises, j'en rêve en fait, voilà, je sais pas pourquoi. Et voilà, donc c'est un peu compliqué de faire la part des choses, mais en tout cas les rêves dans l'astral, enfin que je considère que j'ai fait dans l'astral, j'en suis quasiment persuadée maintenant. Il y a un rêve en particulier où je suis persuadée que c'était une sortie astrale. En fait, déjà, je vais pas être dans mon état totalement normal, c'est-à-dire que ça va pas être un rêve. En fait, vous savez, les rêves classiques, c'est des déroulements d'action où on est pris dans un engrenage et on va suivre l'action, on va essayer de résoudre une situation où on va se laisser porter par le scénario et on est pris dedans et on est complètement immergé dans le truc. Mais quand on est dans quelque chose d'astral, on va avoir un état d'esprit différent, on va être
plutôt lucide ou semi-lucide, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de vivre ce qu'on, de vraiment vivre ce qu'on est en train de vivre en fait. C'est-à-dire qu'on va être dans une attitude contemplatrice et observatrice de notre environnement. Donc en fait c'est une semi-lucidité je pense, hein. Et de toute façon moi j'ai beaucoup de rêves comme ça où je suis dans un état de semi-lucidité, mais je peux pas dire que ce sont des rêves lucides parce que je me laisse quand même je remets pas en question trop les choses, mais on va dire que je suis dans un état d'observation de ce qui m'arrive en fait. Et donc c'est un voilà, ça c'est vraiment aux portes de la lucidité quoi. Faut savoir que le rêve lucide et le voyage astral c'est complètement lié en fait, parce que le rêve lucide c'est pas la même chose, mais c'est lié parce que le rêve lucide est une porte au voyage astral. Et c'est similaire, mais c'est pas la même chose non plus, hein. Donc quand vous êtes dans un rêve qui devient très comme ça, où la réalité elle prend une autre mesure, il y a une autre dimension qui s'installe. Alors moi, de mon point de vue, je pourrais dire que déjà tout paraît beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus. On a l'impression d'être à l'intérieur de quelque chose qui nous dépasse véritablement, alors que le rêve, ça va être un enchaînement de choses qui nous paraissent très proches de nous, très presque concrets. Mais là, ça va être quelque chose. En fait, c'est comme si on était plongé dans l'océan, alors qu'avant on était dans une mare en fait. On nageait dans une mare, dans la mare de nos cauchemars justement. Et en fait, là, on va être dans l'océan quoi. Et on va voir des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous. Et on a l'impression que c'est beaucoup plus grand que nous. Tout est plus intense en fait. Ce qu'on va vivre va être d'une intensité qui va plus être émotionnelle comme celle des rêves. C'est-à-dire que l'intensité des rêves, je dirais qu'elle est plutôt émotionnelle, mais là, c'est une intensité comme si on était confronté à quelque chose de plus grand que nous. Voilà, je sais pas comment l'expliquer autrement. Les couleurs sont beaucoup plus vives, j'ai remarqué. Donc voilà, c'est des rêves comme ça où je me rends compte que d'un coup, je suis dans un espace qui est très particulier. Et les couleurs sont très vives, elles ont une âme, on peut presque les toucher, les sentir par d'autres sens que celui de la vue. En général, tout est magnifique et vous laisse sans voix. Donc moi, j'ai un rêve assez particulier que je retiendrai toujours, c'est ce rêve d'une église, d'une très très grande église dans un marécage, mais c'était pas du tout un marécage inquiétant, c'était un marécage très paisible et très beau en fait. Et cette église, elle était d'une dimension plus grande que tout ce que j'ai jamais vu au monde, en fait. C'était même pas une église, tellement c'était grand. Enfin, c'était une cathédrale, mais ça dépassait l'entendement de tout ce que je pouvais avoir vu dans le monde matériel en termes de cathédrale. Même la cathédrale de Reims, je crois, qui est très grande. Enfin, toutes les cathédrales les plus grandes, ça a rien à voir à côté. C'était vraiment très grand et c'était une structure squelettique un peu, c'est-à-dire que c'était comme si c'était un squelette en fait, une espèce de dinosaure. Enfin, il y avait vraiment une vie en fait. Et voilà, et quand je fais des rêves comme ça qui se passent plutôt dans des dimensions que j'estime être des dimensions astrales, en fait, il y a ces objets, enfin tous les objets, toutes les choses que je rencontre ont une vie et respirent. Par exemple, j'étais dans une forêt à un moment. Et j'avais l'impression que cette forêt, elle, tout respirait, quoi. Les arbres respiraient, tout avait une vie, en fait. Tout était vivant. Et tout était lié aussi. C'est-à-dire, c'est comme si tout se mélangeait, en fait. Et les êtres se mélangeaient. Enfin, je sais pas comment expliquer vraiment. Mais tout était lié, quoi. Donc voilà, donc comme je disais, je lis mes notes en même temps, hein. En fait, je sentais vraiment une présence dans tout ce qui m'entourait, dans les objets, tout ça. Donc, il y avait une vibration, je dirais. C'est pas vraiment forcément une respiration, ça pouvait aussi s'apparenter à une vibration. Je sentais qu'il y avait une intensité, c'est comme ça que je décrirais, quelque chose de vibrant. Voilà, j'ai pas trop trouvé les mots. C'est compliqué de trouver les mots en fait, parce que je pense qu'il faut le vivre pour vraiment comprendre ce que c'est. Il y a aussi, à chaque fois, ça s'arrête pas, il y a une relation très particulière à la lumière. La lumière a une âme, une conscience.
la lumière, c'est comme si c'était une, pas une personne, mais une, comme si elle avait une, comment dire, une intelligence. Elle a une intelligence, la lumière, je sais pas comment dire en fait, mais elle a une intelligence. Elle est pas, c'est pas une lumière comme on a ici où c'est une lumière qui va nous frapper. C'est même une lumière presque violente en fait. Quand on vit beaucoup dans l'astral comme moi ça a toujours été le cas, la vie matérielle peut nous paraître très compliquée parce que ici tout est violent et tout nous résiste en fait. Et ça c'est vraiment le bon mot, je dirais, c'est que les choses nous résistent. Alors que dans l'astral, on est un avec notre environnement et tout est bienveillant, j'ai envie de dire. Alors, il y a aussi des gens qui rapportent des trucs du bas astral, des entités du bas astral, tout ça. Moi personnellement, j'ai pas eu vraiment d'expérience comme ça. Et quand je fais des cauchemars, c'est plutôt des événements qui vont arriver dans le monde actuel, enfin le monde matériel, quoi. Moi, j'ai personnellement, quand j'ai eu ces expériences très fortes, c'était toujours des expériences positives, ou alors, comme je le dis, c'était avec des contacts avec des choses plutôt extraterrestres. À chaque fois, c'était des extraterrestres, et j'ai l'impression que c'est plutôt lié à ce qui va se passer en fait. Mais c'est pas. Voilà, moi personnellement, j'ai pas eu de mauvaises expériences, et je pense qu'il faut vraiment faire attention avec ça. Il faut vraiment rester dans quelque chose de. Faut vraiment se détacher de nos peurs, etc. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, comme je le dis, une lumière qui est très. Qui est vraiment. Qui a une conscience, je dirais, qui est vivante, qui nous enveloppe, qui nous. Comme une caresse, en fait. J'ai aussi remarqué que l'air qu'on respire, c'est comme un tissu. C'est pas vraiment un. L'air ici, il est, quand on le compare à cet air-là, il est presque agressif dans nos poumons, ça nous rentre dans nos poumons, c'est. Alors que là, non, c'est plutôt comme un tissu ou un fluide, un peu comme si on était dans le ventre d'une mer ou je sais pas, quelque chose comme ça, mais comme un liquide amniotique en fait, je sais pas trop comment le décrire, mais ça va être un fluide qui va nous, voilà, nous traverser et nous nourrir. Et c'est comme ça que je ressens l'air en fait dans le monde astral en fait. Donc ça j'en ai pris conscience dans un rêve entre guillemets, mais c'était une sortie astrale clairement pour moi, ou qui a été vraiment le phénomène le plus intense que j'ai jamais eu. Même si justement c'était très doux en fait. C'était à la fois très doux et donc c'était assez paradoxal parce que c'était très intense mais très doux en même temps. Donc je vais peut-être en parler un peu plus. Après, à la fin de la vidéo, parce que pour moi c'était clairement quelque chose de très très représentatif et aussi un moment où j'ai pris conscience de tout ça. Donc j'ai vraiment analysé tout ce que je ressentais pour savoir, pour pouvoir remporter ces sensations avec moi. J'ai aussi remarqué que la notion du temps était distordue, enfin elle est tordue, elle est étendue, elle est malléable aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut se poser pour analyser quelque chose, en fait, je me rends compte qu'on peut étendre une seconde comme on le veut pour pouvoir analyser ce qu'on veut analyser, en fait. Donc, en fait, on a un impact sur la notion du temps qui nous entoure. On peut la moduler à souhait quand on se rend compte de l'état dans lequel on est. Je dirais même peut-être que le temps n'existe pas vraiment. C'est comme si ça faisait quelque chose, un cycle, je sais pas comment l'expliquer, c'est plutôt comme si c'était quelque chose qui revenait là où il était, comme une boucle fermée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt comme si on vivait un instant présent qui serait éternel. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment. On vit vraiment l'instant présent. Et dans la vie réelle, c'est quelque chose que j'ai du mal à expérimenter puisque j'ai. Un trouble de l'attention, même si je travaille dessus, et maintenant ça va mieux parce que j'arrive à travailler dessus en fait, justement par tout ce qui est la méditation et comment ça s'appelle, la neuroplasticité, donc essayer de changer ma perception du monde, et aussi par ces sorties astrales, justement, même hein, qui m'aident aussi finalement, enfin, même si je suis pas vraiment consciente sur le moment que ce sont des sorties.
Et en fait, du coup, ça me permet de comprendre que, enfin, de vivre l'instant présent. Et dans ce monde, l'instant présent, on est immergé dans un flux d'informations, de tout va très vite. On doit faire toujours quelque chose. En fait, il faut toujours être dans l'action. Alors, c'est pas pour tout le monde le cas, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça, vraiment. Et on a du mal à ralentir le rythme. Et d'ailleurs, ralentir le rythme, c'est ce qui nous permettra justement de pouvoir contacter ces états de conscience plus facilement. Et quand je suis justement dans ces mondes qui sont fabuleux, eh bien, je me sens vraiment... je sens vraiment l'instant présent s'écouler et je peux l'étendre comme je veux, le faire durer. Et c'est comme s'il n'y avait pas de futur, pas de passé, il n'y a que cet instant qui compte et ce que je vis à ce moment-là. Et cette sensation, c'est très apaisant, c'est vraiment une sensation très apaisante. En fait, c'est aussi parce que tout ce que je vis est tellement, tellement parfait, tellement agréable. Enfin, tout est agréable dans la perfection, je dirais. Qu'en fait, j'ai pas besoin de penser au futur ou au passé ou quoi. Parce qu'en fait, je vis actuellement et j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de projeter ma conscience ailleurs, en fait. Et dans le rêve, justement, on est plutôt comme ça. On est plutôt pris dans un tourbillon d'actions absurdes et qui sont très prenantes. Surtout dans les cauchemars. Alors moi je parle plutôt des cauchemars parce que je fais des cauchemars récurrents, c'est horrible. Je fais quasiment que ça en fait, en rêve. Et dans mes cauchemars, je suis prise dans une spirale où il faut que j'échappe à quelque chose, il faut que je résolve une situation, il faut que je sauve des gens d'une situation qui, voilà, qui va pas, etc. Il y a toujours quelque chose comme ça, alors que là ça n'a rien à voir, c'est vraiment je prends le temps d'observer ce qu'il y a autour de moi. Et je suis dans un état de conscience vraiment très différent. Même dans les rêves qui sont agréables, même si j'en ai très peu, les rêves qui sont plutôt agréables, je dirais, bah en fait, c'est pas aussi agréable que ces sorties astrales, quoi. Ça a rien à voir. C'est-à-dire que c'est plutôt... c'est un rêve, quoi. C'est une projection de mon esprit. Et c'est pas comme si j'étais immergée dans quelque chose de plus grand que moi, où là, je vais me sentir vraiment bien parce que la structure autour de moi va élever ma propre vibration. Parce que là, je baigne dans mes propres vibrations qui sont pas forcément très élevées, hein, j'avoue. Et quand je suis dans ces milieux-là, justement, ça, je sens que ça m'élève, en fait. Et donc, comme je le dis aussi, il y a une certaine lucidité qu'on n'a pas forcément dans les rêves où on est pris dans un scénario. Mais là, on se sent vraiment vivre. Et aussi, un petit truc que je peux rajouter aussi, c'est qu'on peut visiter des endroits en commun. Alors bon, après je suis pas totalement sûre que ce soit vraiment ça, donc je prends des pincettes, hein. Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de dire que c'est possible, parce que ça m'est arrivé avec une personne en fait, où on a visité deux endroits similaires, il me semble. Donc à savoir, il y avait une espèce de ville en fait, au bord de la mer, une ville très compacte, et il y avait aussi... une sorte de bibliothèque et aussi éventuellement, alors ça je sais pas trop, mais un espèce de château sur l'océan. Donc ça c'est un rêve, un endroit que je visite très souvent et j'ai l'impression que c'est un endroit qui est associé à la déesse Freya. Pour vous donner un exemple en fait, récemment j'ai eu un moment où j'étais très mal, une espèce de breakdown où j'étais vraiment très 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 mal. Et la nuit d'après ce moment où ça allait vraiment pas et je me sentais au bout vraiment de tout ce que... Enfin, je voyais pas d'issue en fait. Et en fait, la nuit de ça, j'ai rêvé de ce château justement et il y avait la déesse Freya et tout ça. Donc je sais pas si c'est un lieu astral ou si c'est une projection, mais je pense pas. Je pense que quand c'est un lieu qu'on visite plusieurs fois, c'est un vrai lieu. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Faut vraiment se fier aussi à ses intuitions, hein, et écouter son cœur et suivre son intuition.
Et donc il y avait ce lieu par exemple, il y a beaucoup d'autres lieux dont je pourrais parler, il y a cette église ou cette cathédrale dont j'ai parlé avant que j'ai visité plusieurs fois aussi. Il y a cette forêt aussi qui était complètement féerique que j'ai vue plusieurs fois. Il y a aussi des endroits que j'ai visités où... Ah oui aussi, la vidéo va être trop longue, hein, mais tant pis. Aussi j'ai remarqué que quand je suis dans ces mondes, j'ai toujours la même apparence, c'est-à-dire que j'ai mon apparence esprit, entre guillemets. Alors la même, mais plus ou moins la même, hein, parce que tout est très malléable dans l'astral. Hein. Et donc, en fait, j'ai toujours cette apparence d'enfant. J'ai vraiment un corps d'enfant, en fait. J'ai plutôt les cheveux assez lisses et plutôt noirs, et j'ai une espèce de queue qui me sort du coccyx très fine, comme si j'étais un espèce de singe ou je sais pas trop. Donc c'est très marrant à voir, à observer, franchement. C'est très rigolo. Et aussi j'ai la peau comme si comme si on voyait mes veines à travers. Comme si j'étais albinos un peu en fait. Comme si j'étais une espèce de larve albinos. Ça je l'ai observé plusieurs fois. Donc je saigne très facilement. J'ai les lèvres écarlates. C'est comme si j'étais écorchée vive, quoi. Enfin, voilà. Et ça me fait penser à mon hypersensibilité, peut-être, qui se traduit sous cette forme-là, je ne sais pas. Et donc, ce que je voulais dire au départ, c'est que, en fait, quand je suis dans ces mondes-là, des fois, j'observe des paysages que j'ai entendus, dont j'ai entendu parler dans beaucoup de témoignages de amis. Parce que je regarde beaucoup de témoignages de amis, j'adore ça, en fait. Et je trouve ça très intéressant en fait, et ça rappelle beaucoup en fait mes rêves quoi. Et donc en fait, c'est des paysages qui sont souvent rapportés, c'est-à-dire que ce sont des collines verdoyantes, sans aucun arbre, sans aucune. Il n'y a pas de. C'est juste des collines à perte de vue en fait. Et souvent il y a aussi des paysages montagneux. Mais pas des très hautes montagnes, vraiment des collines avec éventuellement des lacs, des forêts de sapins aussi, voilà, des choses comme ça, des montagnes. Des fois, il y a des très très grands arbres aussi, des arbres qui dépassent l'entendement, hein, c'est gigantesque quoi. Et j'ai l'impression que ce gigantisme, c'est un truc propre au monde astro aussi, parce que ça me fait penser à cette cathédrale qui était gigantesque et les arbres pareils qui sont gigantesques. Et donc ça c'est vraiment des choses que voilà que j'ai retrouvées aussi dans des témoignages de amis, aussi des êtres évidemment, des êtres, bon voilà, les guides, tout ça évidemment. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça c'est vraiment personnel à chacun je pense, mais en tout cas c'est souvent des êtres qui sont très grands, très lumineux, très voilà, qui sont. Voilà, clairement c'est pas des projections humaine ou c'est pas des choses comme ça, c'est vraiment des êtres supérieurs, je dirais. Et donc voilà, donc c'est souvent ces paysages-là, verdoyants, de collines, etc. Et ça, c'est des choses que je revois très souvent, même dans mes méditations. J'ai aussi eu des états seconds, un peu, je dirais, quand j'étais au collège, quand j'étais même en classe, en salle de classe, où j'étais un peu plongée dans des états seconds, et je voyais ces paysages-là, en fait. Et ce sont des paysages assez spéciaux quand même, assez voilà, ils sont assez spécifiques, je dirais. C'est plutôt des montagnes, des montagnes, mais pas des montagnes trop élevées, voilà, des collines ou des choses comme ça. Et je me souviens d'un rêve comme ça où j'ai senti que j'étais allée au bout de quelque chose. J'étais sortie vraiment de mon univers fermé du rêve pour aller ailleurs. Et je l'ai senti vraiment parce qu'en fait, j'en avais fait la demande. J'avais fait la demande de revenir à quelque chose de complètement. En fait, je voulais revenir au premier temps de tout, en fait, de l'humanité, mais aussi, voilà, j'en avais fait cette demande-là. Et en fait, j'étais allée dans un paysage comme ça, où j'étais donc en mode esprit, complètement nue, en fait, voilà, en enfant, etc. Enfin, mon apparence habituelle est complètement androgyne, et voilà. Et en fait, j'étais dans ce paysage avec des collines et à perte de vue. Et ça, voilà, c'est comme je l'ai dit, je l'ai entendu aussi dire de la part de gens qui ont vécu des EMI. Donc je trouve ça assez dingue d'avoir ces témoignages qui se recoupent en fait. Et voilà.
Donc voilà, pour l'instant je vais pas en dire plus, je voulais parler de mon expérience du coup, mais la vidéo va être un peu longue, donc peut-être j'en parlerai une autre fois. De toute façon j'ai un peu tout dit de ce que j'ai vécu pendant cette expérience-là dans la vidéo. Je me souviens que ce qui m'avait marqué c'était surtout le fait que l'air soit comme un liquide. Ça c'est vraiment comme si c'était un liquide très doux, mais même pas un liquide, un fluide très très doux, comme un tissu, comme de la soie. Et c'est ça je pense qui m'a le plus marqué, parce que moi je suis vraiment sensible au sens du toucher en fait, et c'est ça qui m'a le plus marqué finalement en fait dans cette expérience, même s'il y a beaucoup de choses qui m'avaient marqué. Et ça, je sentais aussi que c'était vraiment quelque chose qui était très loin dans mon sommeil. C'est pas quelque chose dont je me suis souvenue tout de suite. C'est quelque chose que j'ai dû vraiment aller chercher en travaillant la mémoire des rêves. J'ai vraiment dû aller le chercher, ce souvenir, et c'était très enfoui en moi, quoi. Comme si c'était enfoui dans mon âme, en fait, et qu'il fallait que je le ressorte, quoi. À la surface. Et je pense que, voilà, il faut vraiment chercher en soi ces genres de souvenirs aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est trop long. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos expériences, vos témoignages pour que ça soit un espace enrichissant. C'est vraiment le but de ma chaîne YouTube, hein. C'est que ça soit un espace d'échange qui soit enrichissant et que les gens puissent partager leurs propres expériences. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et salut à tous.